Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints et merci pour votre présence à cette deuxième conférence Trait d'Union proposée par le groupe OCP sur la piste d'un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Je suis ravie de poursuivre cette série de réflexions consacrées à la coopération entre les deux continents autour des grands enjeux de transition climatique et économique. Alors, comme le mois dernier, nous donnons aujourd'hui la parole aux spécialistes, mais aussi à tous ceux qui le souhaitent via le chat, afin de faire émerger des solutions sur la voie de la transition bas carbone. Depuis notre précédente session, un événement ne vous aura sans doute pas échappé. La COP26 tenue en Écosse aura fait beaucoup parler d'elle. Nous lui consacrons donc notre deuxième édition afin d'en dresser le bilan, mais aussi les perspectives à venir en nous concentrant bien évidemment sur les relations Europe-Afrique. Cette COP26 a suscité beaucoup d'espoir et beaucoup de scepticisme. Elle a fait se rencontrer, voire se confronter les intérêts internationaux, notamment ceux des pays riches et ceux des pays émergents. Financement de l'adaptation, déforestation, marché carbone et énergie fossile, autant de sujets qui ont cristallisé les débats. Alors jusqu'à quel point les États européens et africains ont pu ou non aboutir à une collaboration renforcée dans la lutte contre le dérèglement climatique et quels engagements ont été pris dans cette COP conformément à l'accord de Paris et à la stratégie européenne du Green Deal? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui nos trois intervenants. Monsieur Philippe Chalmin, vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, expert du marché des matières premières et fondateur du cercle Cyclope. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, monsieur Aliou Boubacar Diallo. Vous êtes PDG de la société Hydroma et vous êtes pionnier dans l'exploration et l'exploitation de l'hydrogène naturel et le développement de projets d'hydrogène vert dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour. Et nous souhaitons la bienvenue aussi à monsieur Mihoub Mezouari. Vous êtes directeur de l'Agence française de développement au Maroc. Alors bienvenue à tous. Alors bienvenue à tous dans cette deuxième table ronde Trait d'Union. Et je vous rappelle, chère assistance, que vous pouvez commencer à interagir dès maintenant et poser vos questions dans le chat disponible sur votre page de connexion. Et je commence donc avec vous, professeur Chalmin. D'abord, par avoir votre appréciation globale de la COP26 et puis surtout, cette annonce faite par 190 pays qui ont décrété lors de cette conférence leur sortie des énergies fossiles. Alors, comment atteindre cet objectif quand on a un mix énergétique encore très carboné et surtout dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et des matières premières? Bien, écoutez, bon, sur la COP26 en tant que telle, comme j'en attendais pas grand-chose, je ne peux pas dire que j'ai été totalement déçu. L'exercice en lui-même est toujours intéressant de savoir finalement que des pays se réunissent, je dirais pour la bonne cause. On sait très bien que les déclarations finales n'engagent que ceux qui les croient. Mais effectivement, et vous l'avez dit, c'est la première fois que, au-delà de des motions traditionnelles, on a vraiment ciblé les énergies fossiles comme un des mâles dont souffre la planète, et donc cet objectif de sortir des énergies fossiles à des horizons relativement lointains quand même. J'aurais deux remarques là-dessus. La première, c'est peut-être que je suis un petit peu gêné de mettre tout le monde dans le même sac. Quand on parle d'énergie fossile, on parle charbon, pétrole et gaz. Sur charbon, pétrole, nous en sommes tous d'accord. Il me semble qu'il eût été intéressant de donner une petite exception sur le gaz naturel, parce que d'abord, c'est le moins polluant des trois, et que, d'autre part, il peut jouer un rôle important dans la transition énergétique, parce qu'un certain nombre d'énergies renouvelables de première génération sont quand même relativement intermittentes, donc que l'on a besoin d'assurer la jointure certains jours, certaines périodes, etc.
et que bah, il vaut mieux avoir une centrale à gaz qu'une centrale charbon ou un groupe électrogène au fioul. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que malheureusement, oui, 190 pays ont signé, mais les plus gros ne l'ont pas fait. Les États-Unis sortiront finalement du charbon peut-être plus rapidement que nous ne le pensons, parce qu'ils ont du gaz, et on voit déjà d'ailleurs un remplacement du charbon par le gaz aux États-Unis. Mais nous avons bien entendu deux problèmes majeurs. Et ces problèmes majeurs, ce sont la Chine et l'Inde. Et pour l'instant, la Chine et l'Inde restent totalement accro au charbon. On l'a bien vu cet automne, où la Chine avait fait des efforts en ce qui concerne, avait réduit sa production de charbon, essayé de limiter sa dépendance au charbon, et confronté à une crise énergétique liée à la sécheresse au Yunnan, etc., bah les Chinois ont été obligés de rétrograder leurs ambitions, et ils ont relancé leur production de charbon, ainsi que leurs importations de charbon. Donc on voit bien, et l'Inde est un petit peu dans la même situation. Ce sont les deux gros morceaux, et ces deux morceaux-là, ça va leur prendre un temps effroyable, sachant que nos amis australiens aussi, dont une partie de la prospérité vient de l'exploitation minière et du charbon, et du gaz naturel aussi d'ailleurs, les Australiens ne se sont pas engagés. Donc c'est quand même une sacrée limite. Alors ceci étant, et je m'arrêterai là-dessus, je me dis que la crise que nous vivons aujourd'hui, nous vivons une crise énergétique. Alors, Omicron va peut-être permettre de la relativiser, mais pour la première fois, nous avons vécu une crise énergétique venant non pas du pétrole, mais du gaz naturel. Et beaucoup plus que le pétrole, qui au maximum n'est guère monté qu'à 85 $, il est redescendu aujourd'hui à 70, la vraie crise, ça a été celle du gaz naturel et du charbon. Et je me dis que le meilleur cadeau que nous puissions faire aux générations futures, c'est d'avoir des prix des énergies fossiles suffisamment élevés pour rentabiliser les énergies renouvelables, que ce soit d'ailleurs les énergies renouvelables de première génération, l'éolien et le solaire, mais surtout les énergies renouvelables de deuxième génération, que ce soit la biomasse, que ce soit toutes les pistes que l'on peut avoir, notamment en termes de stockage, peut-être même de production, en ce qui concerne l'hydrogène. Donc, au-delà de cette déclaration solennelle, la main sur le cœur, oui, je promets de ne plus utiliser d'énergie fossile, etc., qui est quand même relativement hypocrite de la part d'un certain nombre de pays, le meilleur marché, le meilleur signal, c'est finalement cette crise énergétique que nous vivons aujourd'hui, parce que plus, je disais ça il y a quelques années, lorsque le prix du pétrole dépassait les 100 $ le baril, et je disais, ben oui, c'est cher, mais c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire aux générations futures, parce que c'est souvent sous la contrainte que nous apprenons à nous comporter de manière responsable et raisonnable. Merci à vous, professeur Chalmin. Vous me donnez là l'opportunité de faire une transition avec monsieur Diallo quand vous évoquez cette transition vers les énergies renouvelables et que c'est le meilleur cadeau qu'on peut laisser aux générations futures, c'est celui de le préparer dès maintenant. Monsieur Diallo, partant de ces éléments de réflexion, que faut-il faire pour vous pour que les énergies renouvelables, justement, qui constituent à peine 5% du mix énergétique en Afrique, je le rappelle, que faut-il faire pour qu'ils prennent rapidement le relais? Voilà. Bonjour à tout le monde de nouveau. Je vais quand même parler un peu des résultats de Glasgow. Donc, il y a eu, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a eu quand même pour moi trois signaux très forts. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, l'engagement des pays comme le Nigeria, la Turquie, l'Inde et la Chine, donc avec l'objectif, certes, à des horizons différents d'atteindre la neutralité carbone. Et puis, un coupable a été désigné, c'est le dernier fossile.
Ça, c'est très important que le pétrole, surtout le charbon. Et puis, il y a soutien aux actions urgentes d'accélération, d'adaptation des pays les plus vulnérables. Donc, ça aussi, ça a été décidé. Pour moi, ça, c'est très important. Il y a un soutien aux actions urgentes d'adaptation des pays les plus vulnérables. Bon. Au-delà pour les énergies renouvelables, quoi, pour notre région ici, l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique plus, il y ait une volonté politique plus forte et qu'il y ait des objectifs stratégiques à décliner et qu'on essaie de voir comme ce qu'il a pu faire le Maroc avec un objectif de 50%, l'Afrique du Sud de 41%. Il y a des objectifs très clairs et qu'il y ait une vraie volonté d'aller vers cette transition-là, avec des programmes nationaux, comme l'Allemagne a pu le faire, France l'a fait, et comme l'Union européenne s'y prépare à le faire, pour avoir un programme national d'hydrogène. Nous, on essaie de faire au niveau sous-régional en Afrique de l'Ouest, compte tenu du potentiel que nous avons en solaire, éolien, et sans oublier bien évidemment l'hydrogène naturel, que nous avons pu dérisquer par nos travaux d'un point de vue géologique, et que nous avons pu dérisquer également d'un point de vue industriel sur une longue durée en produisant de l'électricité avec. Donc, et je pense qu'il y a vraiment fort à faire pour coordonner les actions des pays africains. Et nous, on a créé le West African Big Grid avec les pays de la CEDEAO et ECOWAS, donc avec lesquels nous sommes signés des MOU, pour qu'on essaie d'envisager à l'échelle sous-régionale s'il peut y avoir un délivré unique et qu'il y ait une conférence au niveau des politiques nationales d'hydrogène dans ces différents pays. Parce que pour moi, l'hydrogène est appelé à jouer un très important. D'abord, il a sa place dans le mix énergétique. C'est aussi un vectorage qui est très important. Nous l'avons expérimenté. Donc, nous pouvons vraiment amorcer la transition énergétique dans ces régions-là en décarbonant les minières, la mobilité lourde, pourquoi pas les raffineries, commencer à les fournir de l'hydrogène qui est produit localement, et puis de l'ammoniac bas carbone dans la sous-région. Donc tout ça, ça pourra permettre à ces régions de l'utilisation locale de l'hydrogène, tout en nous préparant dans les moyens et long à l'exportation massive de l'hydrogène qui pourrait être produit dans la sous-région vers les pays européens. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Vous avez souligné la nécessité d'une coordination entre l'Europe et l'Afrique en matière d'hydrogène après l'annonce justement des différentes stratégies européennes et des premiers accords entre certains pays européens et certains pays d'Afrique. Vous avez aussi mentionné quelques pistes de collaboration, notamment l'ammoniac bas carbone, l'hydrogène naturel, entre autres. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail sur cette question avec vous. J'aborde en fait maintenant la question du financement avec vous, Monsieur Mezouari, qui est la clé de la transition verte. Alors, pour l'Agence française de développement, qui est très active en Afrique, comment, selon vous, mobiliser les acteurs financiers africains au service des solutions de décarbonation sur le continent? Très bien, c'est une grande question. Merci tout d'abord pour votre invitation. Et puis, je voulais aussi profiter peut-être de ce webinaire pour saluer votre initiative qui est de réinscrire en fait ce débat de la transition énergétique dans le cadre des relations Afrique-Europe. Voilà, on voit bien que les interdépendances qui sont à construire, à renforcer, à consolider, la question de l'énergie est une question clé puisqu'on voit bien que l'enjeu est de pouvoir développer ces corridors énergétiques, alors à la fois au sein du continent africain et puis bien entendu entre le continent africain et l'Europe. Et puis je pense qu'il faut élargir peut-être le propos au-delà de la question énergétique. Cette question des relations Afrique-Europe, elle se pose aussi au regard de l'impérieuse nécessité de s'adapter au changement climatique, notamment pour le continent africain,
et que tout ça ait de l'intérêt de l'Europe. Voilà, donc ça c'est des éléments qui sont importants peut-être à redire ici. Sur votre question, je pense qu'il faut aborder aussi l'Afrique dans sa diversité. Je crois que ça a été dit par l'un des intervenants tout à l'heure. On a des configurations qui sont très différentes d'un pays à un autre. Bien entendu, pour certains, pour les plus grands pays, pour les grandes villes africaines qui sont productrices, consommatrices d'énergie brune, la question de la décarbonation, de l'industrie, du transport, du logement est une question fondamentale. Mais pour la plupart d'entre eux, la question est aussi une question d'adaptation au changement climatique. Si on prend au hasard un pays du Sahel, l'enjeu est d'abord de gérer, par exemple, la rareté des ressources hydriques, indépendamment de la question de la décarbonation. Alors, pour répondre à votre question peut-être plus précisément sur le rôle d'un bailleur de fonds ou d'une agence de développement, bon, bien entendu, ce qui est attendu de cette catégorie d'acteurs, au-delà de l'AFD, hein, de l'ensemble de ces catégories d'acteurs, c'est d'être une catalyse, c'est-à-dire d'essayer de produire un effet d'entraînement sur les acteurs, sur les comportements, sur les anticipations, et puis de produire de la confiance. Donc là, il y a un premier niveau, un premier levier qui est celui, bien sûr, des mécanismes financiers. Alors tout ça passe par différents mécanismes, je ne vais peut-être pas forcément les détailler ici, mais ça peut passer par des lignes de crédit, par exemple, pour essayer de stimuler les investissements du secteur privé. Ça peut passer également par l'orientation de l'épargne domestique vers des financements plus verts, et puis on voit bien qu'on n'en est pas encore arrivé à des niveaux suffisants. Ça peut passer également par de la syndication, hein, les acteurs financiers, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, peuvent se syndiquer pour essayer de développer effectivement ou de canaliser des financements verts, des projets de transition énergétique ou écologique. Et puis, il y a la question quand même qui est importante, qui est celle de dérisquer, en tout cas de partager le risque de cette transition énergétique. Voilà, donc ça, c'est si je m'arrêtais là, dans ma réponse, on aurait l'impression que finalement, tout relève d'un seul déterminisme financier et que le débat est uniquement autour de l'offre de financement et des solutions de financement. Alors, c'est très important, c'est fondamental, mais ce n'est pas que ça. Et je pense qu'il y a d'autres leviers qui sont importants. Le premier qui me paraît fondamental, et puis vous y avez fait référence tout à l'heure, c'est bien sûr ce qui permet de mobiliser les acteurs financiers et autres, c'est d'avoir un peu de visibilité. Et donc, je pense que l'un des résultats de cette COP26, c'est aussi de dire que chacun des pays, hein, qu'ils soient d'ailleurs au nord ou au sud, doit s'inscrire dans une trajectoire de long terme, de transition, envoyer les bons signaux au marché, pouvoir créer cette visibilité, donner des balises à une trajectoire de long terme. Donc c'est ce qui permet aussi de mobiliser l'ensemble des acteurs. Ce qui est aussi important pour ne pas céder au déterminisme financier, donc vous avez l'offre de financement, vous avez aussi la demande de financement qui est importante. Et donc la demande de financement c'est quoi? Ben, c'est la capacité aussi aux États de proposer des politiques publiques pro-climat pour faire très court. Je pense que tout ne relève pas bien sûr des États. Je crois que le rôle des collectivités locales aussi, pour donner cette visibilité et faire émerger des solutions de transition bas carbone est aussi importante. Je pense que ça a été dit par l'intervenant précédent. Je pense que tous les pays, et en l'occurrence les pays africains, sont à la recherche effectivement de diversifier un peu leur mix énergétique. Donc je pense qu'il faut accepter les expérimentations qui sont aujourd'hui en cours dans certains pays, en tout cas les velléités sur des énergies alternatives, et donc l'hydrogène a été cité, il y a peut-être d'autres solutions énergétiques. Et donc on voit bien aujourd'hui que des pays comme le Maroc, comme l'Égypte, voilà, sont en train, notamment, hein, il y a d'autres pays africains également qui se posent cette question, sont en train de voir dans quelle mesure ça peut être une solution complémentaire au mix énergétique. Et puis ensuite, dernier levier qui est aussi le plaidoyer, je pense qu'on n'y est pas, Philippe Chalmin le disait tout à l'heure, on n'est pas au bout du compte, et qu'il est important de continuer à convaincre les acteurs du secteur financier à travers un plaidoyer, à travers notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les coalitions d'acteurs, et puis j'en citerai qu'une,
qui est aussi une des coalitions d'acteurs qui est en train de se structurer, de se former. C'est celle qui regroupe, soit à travers le club IDFC, un ensemble de banques publiques de développement qui a été prolongé par un forum qui s'appelle Finance in Common et qui mobilise aujourd'hui près de 450 banques publiques de développement. Et donc l'enjeu de cette coalition, c'est de pouvoir effectivement aligner les acteurs sur les enjeux que vous avez signalés. Merci, Monsieur Mezwagi. Alors, je retiens trois points dans votre intervention. Plaidoyer, intérêt accordé au territoire hein, dans l'élaboration des politiques de transition énergétique. Et puis, en troisième point, envoyer de bons signaux au marché financier au niveau de l'État. Je passe maintenant à d'autres aspects de notre rencontre aujourd'hui. Tout d'abord, je vous pose une question, Monsieur Chalma, qui concerne la tarification carbone. Les sujets sont riches et variés. Je commence par la tarification carbone, donc qui est ce fameux article 6 de l'accord de Paris, qui ambitionne de créer un marché mondial du carbone. Comment instaurer une tarification juste entre les pays gros émetteurs et ceux qui le sont moins, professeur Chalma? Bon, là, moi, ça reste quand même ma déception essentielle de la COP26, mais on le savait même en y allant, c'est-à-dire qu'on n'avancerait pas sur l'idée d'un prix mondial du carbone. J'ai beau être un économiste libéral, je pense qu'il y a un certain nombre de biens communs à l'humanité qui ne sont pas du ressort du marché. Et donc, quelque part, si j'avais un rêve, ce serait que tous les pays du monde se réunissent dans une COP. Alors, 30-35, ça prendra du temps. Et puis, décide que le prix de la tonne de CO2 soit sur l'ensemble de la planète, disons au minimum de l'ordre de 100 dollars. Car incontestablement, ce serait un message extrêmement fort qui amènerait très rapidement les différentes activités industrielles à se remettre en cause et à modifier leur mix énergétique. Pour l'instant, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y a eu un tout petit progrès à la COP26, mais vraiment, c'est du détail dans lequel on a essayé de s'engager à éviter la double prise en compte du carbone au niveau de l'émetteur et au niveau du consommateur. Objectivement, ça ne va pas très loin. La bonne nouvelle, quand même, cet an dernier, c'est que le marché le plus exemplaire du carbone aujourd'hui, c'est le marché européen. Et nous avons passé le cap des 75 euros la tonne de CO2, ce qui est une bonne nouvelle. Alors c'est un marché quand même un peu administré dans le sens où l'offre de quotas carbone est quand même régulée par l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on a quand même un petit peu la main sur l'offre, mais c'est un message important qui va probablement avoir des conséquences dans l'accélération du changement du mix énergétique d'une bonne partie de l'industrie européenne. Le problème est que l'Europe, de ce point de vue-là, elle est un petit peu isolée. Que l'autre grand marché carbone qui se met en place, c'est celui de la Chine. Et en Chine, on est en dessous de 5 dollars la tonne de CO2, c'est-à-dire que ça n'a rigoureusement aucun impact. Ce qui va poser des problèmes, c'est que les pays vertueux vont-ils aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire intégrer des taxes à l'importation tenant compte de la teneur en carbone des produits importés. Ça peut se faire dans certains cas, ça va être compliqué, ça va nécessiter d'ailleurs des négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et je vous rappelle que la conférence de l'OMC qui devait avoir lieu ce week-end a été annulée du fait du Covid, mais l'OMC ne s'est pas réunie en plénière depuis maintenant 4 ans, ce qui commence à poser un problème. Et malheureusement, de ce point de vue-là, on n'a pas avancé. Et s'il est un point sur lequel, je dirais, tous
et notamment tous les économistes sont d'accord, c'est que nous avons besoin d'un prix minimum du carbone. Je dirais que l'avantage comparatif qui pourrait être par exemple celui de l'Afrique, de sortir des produits relativement peu carbonés, ces produits relativement peu carbonés, aujourd'hui, n'ont pas et ne bénéficient pas d'avantages concurrentiels par rapport à des produits à forte teneur en carbone. Je vais vous en donner un exemple idiot, enfin pas idiot, mais un exemple relativement simple. Le premier producteur mondial d'aluminium aujourd'hui, qui fait plus de la moitié de la production mondiale d'aluminium, c'est la Chine. L'aluminium, c'est quoi? C'est de la bauxite, d'ailleurs souvent africaine, guinéenne notamment, qui est le premier exportateur mondial, qu'on transforme un peu en alumine. Et ensuite, pour aller de l'alumine à l'aluminium, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. La Chine, qui produit plus de la moitié de la production mondiale d'aluminium, cet aluminium est un aluminium sale, puisqu'il est produit aux trois quarts avec de l'électricité en provenance du charbon. On essaie aujourd'hui, d'ailleurs les Russes qui produisent de l'aluminium, mais à partir d'hydroélectricité, d'essayer de lancer l'idée de l'aluminium propre. Mais est-ce que sur le marché, on sera prêt à payer la différence entre l'aluminium propre et l'aluminium sale? Ça n'est pas évident du tout à l'heure actuelle. Donc nous avons là un véritable problème. Et la COP26 n'avait pas prévu de s'atteler à ce problème. Elle a un petit peu amélioré le système, mais il reste quand même une faille monstrueuse. Et c'est pour ça que j'aime bien les solutions de marché, mais en ce qui concerne les quotas carbone, c'est vrai que je préférerais de beaucoup qu'on soit capable de mettre en place un prix minimum du carbone à l'échelle de la planète. Et ça, ça serait la plus belle des décisions politiques que nous puissions attendre d'une COP à venir. Apparemment, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas totalement dans les tuyaux, parce que politiquement, il y a un certain nombre de pays qui ont tellement à perdre qu'ils s'y opposeront. Tout à fait. Justement, vous le mentionnez à juste titre, c'est un rêve d'avoir ce prix au niveau planétaire. Tout le monde d'ailleurs le dit. On est sur 100 dollars la tonne sur le marché européen, qui est un marché vertueux en termes de sur la question du carbone. Mais est-ce que cela pourrait être élargi à d'autres marchés? Ce n'est pas évident. Pour le moment, il y a quand même l'ébauche de quelques simulations qui sont très intéressantes au niveau de la taxation carbone. J'aimerais passer la parole à Monsieur Diallo pour aborder le sujet, un des sujets importants d'ailleurs, qui est celui de l'hydrogène dont vous avez parlé tout à l'heure. Lors de la COP26, il a été beaucoup question du méthane et de déforestation, Monsieur Diallo, mais bizarrement, assez peu d'hydrogène vert et naturel, qui est pourtant un sujet d'avenir. Comment s'esquisse, selon vous, une coopération Europe-Afrique sur ce sujet? Bon, s'il y a la volonté vraiment de coopérer, je pense que la matière est là, parce qu'on dispose des conditions climatiques extraordinaire pour produire de l'hydrogène vert, aussi bien en éolien qu'en solaire, et en plus de l'hydrogène naturel. Pour moi, les way out pour des projets dans l'hydrogène sont assurés, parce que les conditions de production sont réunies et la technologie est pour produire. S'il y a une volonté vraiment de coopération, pour moi, c'est très facile. Parce qu'on a des contrats d'offtake avec des grandes compagnies. Moi, j'ai commencé à signer des LOI avec des compagnies allemandes. Et le transport de l'hydrogène longue distance est dérisqué maintenant par l'ammoniac. Kawasaki, même par l'hydrogène liquide, transporte l'hydrogène du Japon, de l'Australie jusqu'au Japon, qui est 3 ou 4 fois plus distant que d'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Donc franchement, s'il y a une volonté de coopérer, nous, dans notre West African Big Green Deal, nous avons commencé des études avec des allemandes et des sociétés sous-régionales. Nous sommes en train d'envisager d'aller vers 30 gigas de production d'électricité renouvelable dans la sous-région.
avec 10 gigas installés d'électrolyse, sans parler de la possibilité d'augmentation de la production par l'hydrogène naturel. Donc, le produit est là, le way out est assuré par la vente des produits. Pour moi, c'est l'un des projets les plus faciles à financer. Mais est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers le financement? Parce que généralement, les financiers, il y a des atermoiements, des points d'interrogation quand il n'y a pas de way out. À qui vous allez vendre? Est-ce que bon, vous allez être payé ou pas? Et pour l'hydrogène, s'il y a une vraie volonté, c'est pour ça. Avec l'Allemagne, nous avons tout fait pour inscrire l'hydrogène naturel dans leur politique nationale. Et ils ont appelé l'hydrogène naturel, l'hydrogène blanc, dans la politique nationale en Allemagne. Bon, donc on essaie de le faire en même aux Européens également. Donc franchement, je pense que si on veut vraiment une fois aider l'Afrique à rentrer dans un deal gagnant-gagnant, dans la durabilité, avec un potentiel important de création d'emplois, de valeur ajoutée, pour moi c'est l'hydrogène, il faut aller vers ça. Donc tous nos pays ont d'énormes potentialités de production. Donc la Mauritanie, je pense qu'il y aurait même naturel, parce que les premiers tests qui commencent à être faits par l'ONIM et par des sociétés suisses au Maroc montrent que l'hydrogène naturel n'est pas seulement au Mali. Donc il y a une vingtaine de pays dans le monde maintenant qui ont confirmé la découverte d'hydrogène naturel. L'Australie a même légiféré sur la question, ils ont commencé à distribuer les premiers permis de recherche sur l'hydrogène naturel. Donc, la possibilité de produire l'hydrogène est le pays africain, qu'il soit naturel ou qu'il soit manufacturé. Mais est-ce qu'il y a une volonté réelle d'accompagner l'Afrique à jouer sa part dans la transition? Vraiment, l'élection est à ce niveau-là. Si l'AFD peut nous répondre un peu à cette question, ça m'intéresserait. L'appel est lancé pour vous, Monsieur Mezwari, sur cette question de financement qui est d'ailleurs d'actualité, la volonté réelle des bailleurs de fonds d'accompagner ce chantier d'avenir. Je vous laisserai y répondre si vous voulez. Et puis, je vous poserai aussi une autre question, j'en profite. En matière de financement, l'Europe s'est engagée dans un partenariat sans précédent avec l'Afrique du Sud. 8,5 milliards de dollars visant à soutenir la transition dans ce pays, dont la production énergétique, comme vous savez, dépend à 80% du charbon. Est-ce que vous y voyez un modèle pionnier de partenariat Europe-Afrique, Monsieur Mezwari? Oui, je pense que modèle pionnier, c'est peut-être prématuré, mais en tout cas, c'est une initiative qui, je pense, est intéressante et qu'elle donne un signal important. Alors peut-être juste pour préciser le consortium qui est engagé par ce partenariat, donc vous l'avez dit, c'est l'Afrique du Sud côté africain, c'est ses partenaires européens, l'Union européenne, la France, l'Allemagne. Mais c'est aussi également le Royaume-Uni et peut-être plus intéressant les États-Unis. Et donc tout ça, effectivement, en tout cas, indique un peu un réengagement des États-Unis sur toutes ces problématiques autour de la transition énergétique et puis de la transition sobre en carbone. Donc l'engagement, de quoi s'agit-il? C'est un engagement de 8,5 milliards de dollars, ce qui est un montant important, et donc en cela, c'est quand même une évolution significative. Et au fond, derrière ce montant, parce que les montants, objectivement, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est un ensemble de mécanismes. Donc de mécanismes de financement direct à travers des prêts concessionnels, à travers des subventions, à travers de l'assistance technique, bien entendu. Et puis à travers des mécanismes de garantie, notamment pour essayer, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de stimuler davantage les investissements privés. Alors, on a connu quand même dans le passé, ça il faut le dire, des mobilisations de partenaires financiers internationaux sur des projets identifiés. On peut citer, puisque je parle ici, moi, de la fenêtre Maroc, donc on avait vu que cela pouvait marcher, qu'il y avait une mobilisation, notamment autour du plan solaire marocain, donc du développement des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, mais en particulier solaires. Tout ça a fonctionné, en tout cas inscrit, a impulsé une dynamique qui est aujourd'hui en phase de consolidation et puis de déploiement. Mais là où c'est intéressant sur le cas sud-africain, me semble-t-il,
c'est qu'on a effectivement un package qui inclut l'ensemble des leviers que j'ai indiqués tout à l'heure. Alors, je ne vais pas les redire, mais on est quand même dans une trajectoire de long terme qui est définie. Donc, tout ça donne de l'horizon, tout ça permet de neutraliser autant que possible les incertitudes. C'est aussi une forme de consortium, de syndication d'acteurs sur des objectifs de long terme. Hein. Donc l'objectif, vous l'avez peut-être indiqué tout à l'heure, c'est quand même de réduire de 1 à 1,5 gigatonnes d'émissions de CO2 et d'accompagner ainsi l'Afrique du Sud vers une sortie progressive du charbon. Et puis, objectivement, le partenariat est porté au plus haut niveau, puisqu'il est porté par le président sud-africain. Et tout ça crée en tout cas de la redevabilité. On verra un peu plus tard si des engagements sont tenus par les uns et les autres, mais ça, en tout cas, ça crée une redevabilité. Alors maintenant, est-ce que ce partenariat ou ce modèle est duplicable? Sans doute, il est duplicable. Alors, au-delà de l'Afrique, je crois que déjà l'Indonésie, les Philippines ont exprimé un intérêt pour essayer de sceller un partenariat équivalent à celui de l'Afrique du Sud. Je pense que, bien sûr, que d'autres grands pays africains peuvent s'inscrire dans ce modèle. Hein. Je ne vais pas les citer, mais Égypte, Nigeria, voilà, et puis d'autres peuvent aussi s'inspirer de ce modèle et essayer de mobiliser l'ensemble de ses partenaires dans ces objectifs un peu de long terme. Et puis, je voulais redire quand même ce que j'ai dit en début, qui me paraît important, c'est que au-delà de la question énergétique qui est fondamentale, hein, il y a quand même la question de l'adaptation au climat. Et on peut imaginer effectivement que certains projets structurants, fédérateurs, en matière d'adaptation au changement climatique, peuvent mobiliser aussi des consortiums d'acteurs internationaux. Et pour citer un exemple, on peut penser comme ça très rapidement aussi à la muraille verte qui traverse l'ensemble du Sahel et qui peut être aussi un projet structurant et mobilisateur. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mezwagi. Il y a plein de pistes à explorer avec vous. Le temps nous presse. Nous avons reçu beaucoup de questions du public. Je vais en choisir deux à poser à nos intervenants. Et je commencerai d'abord par Monsieur Diallo pour aborder ou approfondir avec vous la question de l'hydrogène. Quelles sont les opportunités qui se développent sur l'hydrogène vert et naturel en Afrique, Monsieur Diallo? Bon, nous, notre projet de West Africa Deal, c'est aussi bien sur l'hydrogène naturel que sur l'hydrogène vert. Et on essaie de rendre le transport plus économique entre les différents pays africains. Donc, on a utilisé le port de Dakar, le port du Sénégal comme un port. Et avant cela, c'est d'utiliser au Mali, par exemple, dans l'industrie minière qui est la plus pauvre, essayer de carboner l'industrie minière, les gros Dimper, Caterpillar qui roulent dans les mines, des émetteurs de CO2, donc de convaincre les sociétés minières à aller vers des engins miniers qui utilisent. Et on a commencé à introduire la piste au Mali pour voir avec l'hydrogène naturel si nous pouvons faire une électrification décentralisée de tout le Mali avec des petites piles à combustible. Ça peut permettre d'économiser sur le transport de l'électricité parce qu'à une haute tension, on perd beaucoup. Donc nous, on a utilisé qu'en tout cas pour l'hydrogène naturel, on va l'utiliser pour l'électricité en introduisant dans le mix. Et l'hydrogène vert plus dans la mobilité lourde, pourquoi pas, le train Dakar à Bamako qui est arrêté depuis quelques années, pourquoi ne pas le faire démarrer par un train hydrogène, changer carrément la vision de cette région du monde, parce que dès qu'on part du Sali, on voit un barbu avec un Kalachnikov en main. Donc, on est l'hydrogène pour changer toute cette vision de la société, pour essayer de développer la mobilité lourde avec les produits de l'ammoniac qui s'intéressent. Devenir des fertilisants, des engrais sur place localement avec l'hydrogène bas carbone qui est produit dans la sous-région et pourquoi pas les riz dans
au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, les raffineries qui sont là, qui produisent beaucoup d'hydrogène par vapeur du gaz naturel. Et je pense possiblement développer une économie d'hydrogène dans la sous-région, tout en participant vraiment à la transition énergétique de l'Europe par l'exportation. Parce que nous, dans nos études, nous avons vu que l'hydrogène qu'on peut utiliser dans la sous-région ne prendra même pas 10% de notre production potentiel d'hydrogène. Donc, il faudrait qu'on exporte vers les pays qui sont sincères dans leur volonté d'aller vers la neutralité carbone. Les pays européens qu'on a ciblés, on a commencé à signer des LOI, même des contrats d'offtake sur les horizons 2025. Donc, nous voulons vraiment voir comment c'est l'hydrogène naturel sur place et 2024-2025, l'hydrogène vert en grande quantité. Merci, Monsieur Diallo. J'ai une deuxième question. Peut-être que je la poserai à vous, Monsieur Mezouaghi et Monsieur Chalma. Et elle est, en fait, c'est une question qui vous tient à cœur, Monsieur Mezouaghi. Elle concerne l'adaptation dont vous avez parlé tout à l'heure. Durant la COP, l'écart entre le discours et les actes en matière de financement de l'adaptation africaine a été encore une fois soulevé. Comment, selon vous, mobiliser les 100 milliards de dollars promis par les pays riches aux pays pauvres? Monsieur Mezouaghi? C'est à moi ou Monsieur Chalma? Ah oui, très bien. Oui, je commence par vous. Très bien. Ça renvoie un peu au débat du début sur le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc là, très clairement, il y a eu cet engagement il y a maintenant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine d'années sur ce transfert de 100 milliards, de dollars vers les pays du Sud en provenance des pays les plus riches. Aujourd'hui, ce montant, en tout cas sur 2020, il a atteint un peu moins que 80 milliards de dollars. Donc effectivement, il est insuffisant et il n'est pas en ligne avec les engagements qui avaient été pris. Objectivement, si on devait aujourd'hui réévaluer ce besoin, il est bien plus important que 100 milliards par an. Il est estimé à entre 140 et 230, 300 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres, enfin les pays du Sud, on va dire ça comme ça. Et puis il est aussi, n'oublions pas ça, aussi beaucoup plus élevé dans les pays du Nord, puisque les besoins sont évalués à entre 280 et 500 milliards de dollars par an pour essayer d'atteindre ces objectifs de neutralité carbone. Donc vous voyez, on n'y est pas, voilà, c'est un constat qu'il faut faire. On peut l'expliquer de deux manières. On peut l'expliquer d'abord parce que le système financier global, comme on le disait tout à l'heure, est pas encore complètement embarqué dans cette mobilisation, qu'il faut continuer à le convaincre. Mais je pense que l'idée fait son chemin petit à petit et qu'il y a une idée en tout cas qui cristallise aujourd'hui et qui peut essayer d'être un conducteur, c'est au fond le système financier prend conscience progressivement qu'il est lui-même en fait exposé à ce risque climatique, compte tenu de l'exposition de son portefeuille de financement. Donc voilà, donc ça c'est important et puis il y a quand même, malgré tout il faut le dire, cette crise Covid qui a fait que certains pays se sont mobilisés, notamment les grands pays, hein, l'Europe, les États-Unis, avec des programmes de relance pro-climat de plusieurs milliers de milliards de dollars, qui ont par construction créé un effet d'éviction sur les flux en destination des pays en développement. Alors moi, je dirais une chose, comment essayer d'atteindre ce montant. Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure sur les différents mécanismes disponibles. Je pense qu'on peut peut-être dire que la prochaine COP, alors sans renverser dans tout dépend d'une COP, hein, c'est pas ça mon propos, mais je pense que la prochaine COP sera intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle se tiendra de nouveau en Afrique, donc à Sharm el-Sheikh, en Égypte, et que nécessairement, elle mettra davantage l'accent sur l'Afrique, bien entendu, sur les enjeux climatiques en Afrique, et puis sur en particulier les questions
d'adaptation. Donc ça, c'est un moment qui, je pense, sera quand même malgré tout important pour essayer de convaincre, mobiliser les acteurs. Et je pense, moi, mon point de vue à titre très personnel, je pense que c'est le temps aussi de mobiliser les solutions endogènes, les solutions qui émergent du contexte africain. L'intervenant précédent, M. Diallo, en a fait référence sur les sujets qui le concernent. Et donc, c'est, je pense, ça qui est important aujourd'hui, au-delà de la question du financement, c'est quels sont les projets, les stratégies, les politiques publiques que les pays africains vont faire émerger et essayer de mobiliser un ensemble de partenaires autour de ces projets. Et puis, pour ne pas être trop long, juste, peut-être, excusez-moi, Monsieur Diallo m'a interpellé, donc il faut que je lui réponde. Donc je répondrai très vite en disant que l'AFD est très engagée sur ces problématiques du climat. Vous le savez sans doute, près de la moitié des financements mobilisés par l'AFD ont ou doivent avoir un impact co-bénéfice climat. Et c'est en volumétrie autour de 6 milliards d'euros par an. Avec une priorité africaine qui est très forte. Donc nous sommes à votre écoute, Monsieur Diallo, pour essayer d'explorer effectivement les pistes, les projets que vous recommandez. Merci à vous, Monsieur Mezwagi. Alors justement, cette question d'adaptation, c'est le sujet qui se pose dans toutes les COP et on espère qu'il aura une solution, en tout cas, qu'il avancera à la prochaine COP de Sharm el-Sheikh. Je vous cède peut-être la parole, professeur Chalma, si vous avez un avis sur la question. Bah, écoutez, comme tout le monde, j'ai été déçu par, je dirais, le radinisme des pays développés. Monsieur Mezwagi a totalement raison de dire que l'époque n'est peut-être pas la plus grande pour être généreux pour les autres quand on a ses propres pauvres chez soi, et donc que ces deux dernières années, le quoi qu'il en coûte a largement concentré les dépenses sur la réponse à la crise. Alors c'est vrai que un certain nombre des plans de relance ont été gentiment verdis, bon, c'est pas extraordinaire, et incontestablement l'effort est très largement devant nous. Je remarque quand même d'un point de vue positif que les financiers sont bien entendu des êtres sans cœur, comme chacun le sait. Néanmoins, ils prennent un petit peu le vent de l'investissement socialement responsable, ils prennent en compte un certain nombre de nouveaux critères, alors parfois de manière un petit peu aveugle. Par exemple, je dois avouer que dire « nous ne financerons plus d'énergie fossile », c'est bien mignon, et j'en suis parfaitement d'accord pour le pétrole et le charbon. J'ai des doutes en ce qui concerne le gaz naturel, et je pense que le monde, par exemple, aurait besoin du développement du gaz naturel africain, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans le canal du Mozambique. Il faut savoir ne pas uniquement raisonner à très long terme, mais raisonner à court et moyen terme. Et je pense que le gaz naturel aura une place déterminante dans nos stratégies de transition énergétique et que pour nombre de pays africains qui se posent quand même aujourd'hui le problème de la disponibilité en électricité d'un certain nombre de grandes villes, autant il vaut quand même mieux avoir de l'électricité produite à partir de centrales à gaz qu'avoir des coupures d'électricité et chacun dans son coin mettant en marche son groupe électrogène qui fonctionne au fioul, sans parler éventuellement de centrales à charbon. Donc là, je crois qu'il faut savoir raison garder. C'est très bien de dire « Ah, c'est très très mal, on ne va plus produire de charbon. » Les grands mineurs vendent leurs activités charbon. Ça ne veut pas dire qu'ils les arrêtent pour autant. Je voudrais aussi rebondir sur l'hydrogène, parce que je suis tout à fait intéressé par ce que disait M. Diallo. C'est vrai que l'hydrogène, il a deux fonctions au fond. Il peut être un moyen de stockage
et de transport d'une source d'énergie fondamentale pour produire de l'électricité. Transporter de l'électricité sur de longues distances, on sait éventuellement faire, mais il y a quand même des pertes en ligne qui sont assez considérables. L'hydrogène peut là jouer un rôle tout à fait fondamental. Alors l'idéal, bien entendu, c'est de l'hydrogène vert, et c'est vrai que l'Afrique a, de ce point de vue-là, des potentiels tout à fait considérables. Et donc, on a des pistes qui me semblent tout à fait sérieuses. Je n'en suis pas encore à rêver que l'Afrique exporte de l'hydrogène, mais déjà qu'à partir de son hydrogène vert, elle puisse résoudre ses problèmes d'électrification qui sont quand même assez fondamentaux, ça me paraît fondamental. Parce que si on veut, parce que le problème avec de l'énergie solaire, vous pouvez incontestablement électrifier des villages, électrifier une petite ville, etc. Quand il s'agit de donner l'accès à l'électrification aux grandes mégapoles africaines, on ne peut pas rester sur des petites centrales solaires ou éoliennes, et c'est là où l'hydrogène peut incontestablement jouer un rôle important. Alors ceci étant, j'attire votre attention sur le fait que l'hydrogène c'est bien, mais ça risque, d'ailleurs comme la transition électrique, la transition énergétique, elle risque de nous faire tomber dans d'autres dépendances vis-à-vis d'un certain nombre de métaux, ouvrez les guillemets, stratégiques. Les piles à combustible, ben, on aura besoin de platine. Alors vous me direz, il y en a en Afrique du Sud, il y en a aussi beaucoup en Russie. Les batteries actuelles lithium-ion, eh ben, c'est du cobalt. Alors vous me direz, il y a du cobalt, il y en a beaucoup. 70% des réserves mondiales sont en République démocratique du Congo, qui n'est pas un pays dont la stabilité est la principale qualité, non plus d'ailleurs que le respect de quelques normes ISR que ce soit. Donc on voit bien qu'il faut bien entendu réfléchir à la transition énergétique à l'aune aussi de la dépendance qui peut être la nôtre vis-à-vis d'un certain nombre de métaux. Dernier point, et qui concerne directement le groupe OCP, c'est de rappeler aussi, Monsieur Diallo l'a rappelé, qu'on pouvait effectivement on pouvait sortir de l'ammoniac et donc produire des engrais azotés. Je vous rappelle qu'une des conséquences majeures et quelque peu dramatiques de la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui, c'est la flambée du prix des engrais, en particulier de l'ammoniac et donc de l'urée. Un pays comme l'Inde vient d'annoncer qu'elle doublait, multipliait par deux, les subventions qu'elle donne à son agriculture pour la fourniture d'engrais, puisque le prix de l'urée importée en Inde a augmenté de 180% en un an, et le prix du DAP, un produit que l'on connaît bien au Maroc, le diammonium phosphaté, a lui aussi plus que doublé. Et donc, on voit bien que la crise énergétique, ce n'est pas simplement notre alimentation en électricité, mais ce sont toutes les activités dépendant de l'énergie. L'engrais en est un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prix agricoles mondiaux ont flambé, mais alors, les agriculteurs peuvent en être heureux, ça et là, mais en même temps, vous avez une augmentation, une multiplication pratiquement par deux, au moins en ce qui concerne les engrais azotés. Merci beaucoup. Ben, vous le rappelez très bien, la crise énergétique, ce n'est pas uniquement le prix de l'électricité, c'est les matières premières, c'est les métaux rares. Et ce sont aussi toutes ces matières qui ont une incidence hein, sur le prix de l'énergie. Notre conférence se termine, messieurs, dames. Je suis dans l'obligation de mettre fin à notre discussion riche et variée. Je retiens quelques pistes de réflexion. Le gaz comme solution de transition, l'hydrogène vert et naturel peuvent jouer un rôle fondamental dans la coopération Europe-Afrique. L'accélération de l'adaptation africaine et des financements verts sur le continent africain. Ce sont autant de pistes
qui mérite d'être creusé dans ce nouveau partenariat Europe-Afrique. Pour ma part, je vous remercie, messieurs, dames. Je vous remercie pour votre participation nombreuse, que ce soit le public ou nos intervenants. Je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. Notre cycle sur la neutralité carbone et la COP26 se termine. Nous entamerons donc à partir du mois de janvier un nouveau cycle de conférences sur un nouvel enjeu de transition économique. D'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes fins d'année et à bientôt.